Puis rebonsoir, donc on va dire chers téléspectateurs, chers auditeurs aussi et auditrices. Puis ce soir, on est donc je suis à côté d'un responsable d'une association en fait lors d'un événement aujourd'hui. L'événement s'est tenu à Dar el Maghrib. On est donc le samedi 9 septembre 2017 et je suis en compagnie donc d'un responsable d'une association qui a été invité dans le cadre de cet événement justement de ACSF organisé par Art et Culture Sans Frontières, donc Atbakh ou Adwar, donc saveur et plat marocain. Puis parlez-nous éventuellement de cette soirée, donc présentez-vous premièrement et parlez-nous de cette soirée s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Ibrahima Sako, je suis le président du regroupement général des Sénégalais du Canada. Donc c'est une association qui regroupe l'ensemble des Sénégalais vivant au Canada. Je suis là aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le Centre culturel marocain. Donc le directeur du centre nous a fait l'honneur de nous associer à l'organisation des Journées du Maroc. Et cette activité rentre dans ce cadre-là. Et ça a été vraiment un plaisir pour nous de participer. Et nous avons apporté deux plats sénégalais qu'on appelle Tchéboudjène. Donc c'est du riz au poisson et l'autre plat c'est du yassa poulet. Donc c'est deux plats qui sont très connus au Sénégal qu'on a voulu partager aussi avec les autres participants à cette activité-là. Et ça a été l'occasion pour nous aussi de découvrir d'autres plats qu'on n'a jamais vus. Et c'est un réel plaisir pour l'association d'être là. C'est vrai et on dit que l'art culinaire permet, permet de rassembler, c'est un rassembleur vis-à-vis d'autres sujets, là, on va dire, de la politique ou de la religion, mais l'art culinaire, ça rassemble. Et puis, la deuxième question, éventuellement, c'est justement, parlez-nous, à la fin donc, de cet événement, tout à l'heure, il y a la responsable du Centre culturel marocain qui a parlé, donc qui a cité des associations qui ont participé à des événements ici au Centre culturel Dar el Maghrib. Parlez-nous, résumé, on va dire, de votre donc, participation et implication au Centre culturel Dar el Maghrib. Bon, effectivement, l'ASIAS, le regroupement géant des Sénégalais du Canada, a participé à la préparation de ces journées marocaines. Et on a participé aux réunions préparatoires. Et au niveau du regroupement géant des Sénégalais du Canada, nous avons fait participer des artistes sénégalais, dont Seydina, Djonkunda, donc des artistes qui ont participé à cet événement. Et c'est des artistes de renom connus mondialement. Oui, ils sont très très reconnus et je pense que vous allez tantôt voir Seydina, il va faire un petit a cappella avec l'assistance. C'est la surprise de la soirée, j'imagine. Oui, c'est la surprise comme l'a dit Madame Eradji tantôt, donc ça va être la surprise de la soirée. Parfait. Et puis éventuellement, dernière question, que pensez-vous justement de l'implication de Dar el Maghrib ici comme, on va dire, un centre rassembleur de plusieurs gens de différentes origines, donc sur le plan culturel, et on le sait, moi je le dis toujours, la culture, l'art culinaire, la poésie, la musique, c'est toujours rassembleur. Donc que pensez-vous de l'implication justement de Dar el Maghrib ici à Montréal, au Québec et au Canada éventuellement? Mais je pense que c'est une fierté pour tous les Africains d'avoir ce centre-là. Je dirais plus que c'est un centre marocain, mais c'est un centre africain. Et c'est bon pour le positionnement diplomatique, aussi bien du Maroc que de l'Afrique au Canada. Et je tiens personnellement à remercier le directeur du centre. Depuis qu'il est là, il a pris... Monsieur Jaffar Debar. Monsieur Jaffar Debar, depuis qu'il est là, il a pris beaucoup d'initiatives. Même avant-hier, j'ai discuté avec le secrétaire général de mon association. On parlait des initiatives du centre et qui organise beaucoup d'activités. Donc franchement, personnellement, mon nom et le nom du regroupement général des Sénégalais du Canada,
Nous tenons à remercier M. Jaafar Debbaat qui met tout le temps le centre gratuitement à la disposition de la communauté sénégalaise. Et nous avons des événements à venir aussi dans ce centre-là. Même notre Assemblée générale, nous allons la tenir dans ce centre-là. Donc vraiment, nous disons merci à M. Debbaat, merci au Maroc. Et nous, tout le monde sait que le Maroc et le Sénégal sont des liens séculaires qui nous unissent depuis des siècles. Donc merci beaucoup. Et merci aussi au Sénégal à travers votre association qui fait beaucoup de belles choses. Merci. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Merci. Kuy guddi beccuk ba legi yaangi so